Bonjour à tous et toutes, c'est Nessendi sur Planète Zoo. C'est parti pour du Planète Zoo. On va voir les éléphants aujourd'hui. Et en fait, le temps que je remette un peu de pierre là au flamant rose. On a une petit pichoun. Regardez. Ah, yipiti. Yipiti. Il n'y a pas assez d'optimisation. Optimisation alimentaire. Ah. Habitat. Espèce. Bon, les machins, là, les manifestants. Ah, mais vous aussi, je peux vous mettre un jouet. Alors, attendez. On va vous mettre... Oui, vous n'êtes pas content. On va vous mettre un jouet. Ça, c'est pas une optimisation alimentaire, mais on peut vous mettre un joujou. Hein. Voilà. Et donc, optimisation alimentaire... Ah, ça doit être ça, non? Bah, si, vous en avez déjà un. Bah, pourquoi il n'y aurait pas assez? Ah, ouais, non, mais le bassin à fourrage, ça va être moche. C'est vilain si je le mets là. Bassin à fourrage, mais c'est énorme. Et les soigneurs, ils vont mettre des trucs là-dedans. Je suis pas sûre. Hein. Oh non, mais c'est trop laid. Non, non, c'est trop moche. Il y a pas des petits. Chauffage, y a pas besoin de ça. Mais en fait, vous avez déjà ça. Donc c'est quoi qui va pas? Il va pas que là, c'est tout pourri. Donc ça, d'accord, à soigner en route. Mais ou alors je vous mets un deuxième comme ça. Mais il est plein celui-là. Il y a le petit qui passe en courant. Optimisation. Bah écoutez, je sais pas ce qu'ils ont. C'est pareil, ils me disent qu'ils ont pas d'abri. Alors qu'ils ont ça et qu'ils sont dedans en plus. Vous foutez de ma gueule, ça c'est pas un abri, c'est quoi? Bande de cloches. Oui, c'est des cloches, oui. Ah, ils en ont après les tortues. Bah oui, mais les gens, si je mets plus grand aux tortues, elles vont mourir de faim parce qu'elles sont trop bêtes pour manger. Oh oh. Ah, il y a un pan. Et les pans, on a des soucis de santé avec les pans, mais ça, on le savait, hein, qu'ils avaient une immunité faible. Du coup, bon, bah tant pis. Bah, le veto est en route. Hein. De toute façon, on en a plein. D'ailleurs, on va regarder un petit peu où en sont. Où en est mon personnel et ses formations. Hop, on peut recliquer quelques flèches. Toujours plus fort. Même les pécanos, hein, ça peut servir. Hein. Agent de sécurité. Et vendeur. La quantité de vendeurs qu'on a par rapport au nombre de moutiques. C'est bon, les gars, ils peuvent prendre des pauses, quoi. Comment ça se fait que j'ai autant de vendeurs? Je suis un peu fort sur les vendeurs. Peut-être ajouter... Après tout, on est en illimité, hein. Donc, on s'en fout un peu. Donc... Hop, on va reprendre un veto. Ah oui, bah attends, je trouve juste une route. On va reprendre un veto et un soigneur parce que... hein, on peut en avoir trop, c'est pas grave. On a de quoi les payer. Ok. Et pour le moment, ils se prennent pas de leurs sous. Ce qui est assez étrange. Bon, ok. On va acheter des éléphants et après, on verra ce qu'on met avec les éléphants. Ça c'est trop cool. J'enregistre cet épisode également à la suite des autres, donc j'ai toujours pas vos noms. Donc, bien sûr les éléphants, vous allez pouvoir les nommer. Je vais me faire un petit carnet et prochain épisode je pense qu'on fera un petit peu un bilan des noms et des nouveaux enclos que j'espère préparer là pendant le week-end. Il y a des blattes qui sont pleines de partout. Aïe aïe aïe. Les escargots, on en a 1 milliard. Oui, 1 milliard. Et sinon, les autres... Ah non, les serpents aussi. Sinon les autres animaux sont à peu près calmes. Allez, on va acheter de l'éléphant. Et donc, je veux de l'éléphant d'Afrique avec des grandes oreilles. Je veux des grandes oreilles. Alors, on en a un bien, là. Comme on est en illimité, voilà. Hop là. Et on va lui prendre... Ah non, mais retiens ce que je te dis, quand même. On va lui prendre avec au moins 2 copines. Donc, bah, il n'y en a pas 50. Hein. Donc, une petite femelle. Ah, elle est pas terrible. Hein. Oh, elle est pas terrible, hein. Mais il y a qu'elle, donc bon, on va la prendre, mais franchement, elle n'est pas terrible. Ouais, il va falloir améliorer ça avec les bébés, et hop, transférer. Du coup, on va aller regarder là-haut, qu'est-ce qu'on peut mettre avec les éléphants d'Afrique. Normalement, on a pas mal de choses que l'on peut mettre, pas mal de choses, pas mal d'animaux que l'on peut mettre avec. Ah, mais faut mettre le monstre de Gila aussi, je n'ai toujours pas mis le monstre de Gila. Mais il y a tellement d'espèces. Il y a tellement d'espèces. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre avec nos éléphants? Oh,
On peut rien mettre avec les éléphants d'Afrique, vous êtes sérieux? Oh, je suis déception. Bah. Oh, je suis déception. Ah ouais, donc là, en fait, j'ai fait un enclos géant à éléphants. Bah, va falloir en mettre des éléphants, quoi. Non, sérieux, on peut vraiment rien mettre avec? Genre le gnou? On peut pas mettre... Ah non. Oh merde, du coup, j'aurais dû faire un enclos avec tout ça. Plutôt que les éléphants, là. Bon, en même temps, j'ai fait une immense cachette. En partant du principe que ce seraient les éléphants, donc... Oh, je suis déception. Ah bah, va falloir acheter des éléphants, alors. Mais ils ont un... Bon, on peut pas dire que mes éléphants sont pas heureux. Cet enclos... Ouais, cette cachette-là, elle est assez grande. Bah, les éléphants, va falloir vous reproduire, mes doudous, parce que là, vous êtes un peu... Comment dire? Vous vérifiez un peu si vous êtes bien, aussi. Comment dire que... Que, en fait, je mets rien d'autre avec vous. Que... C'est vrai que dans les zoos, souvent, ils sont tout seuls. Oh, bah, il dit qu'il est content. Et bah, il est bien content, ce petit éléphant. On dit, au fait. Oh, bah, il est bien content. Bon, bah du coup, on va attendre un tout petit peu, voir s'ils remettent des femelles. J'espère qu'elles seront pas aussi bof. Ok, il y en a une là-bas. Je crois que j'ai pas mis à manger. Si. Si, c'est là. Et là, ils vont pas dire qu'il n'y a pas besoin de remplir. Hein. Appeler le soigneur dans l'habitat. Et en fait, il faudrait que je mette... Est-ce que... Non, je vais pas avoir la place de mettre une petite salle de repos ici pour les soigneurs. Il faudra que j'en mette une par là. Ici. Ah non, ici, je voulais mettre un petit enclos de je sais pas quoi. Peut-être de petits varans. Et du coup... ou alors je refais une... Ouais, si je refais une section pour les soigneurs avec une grande salle de repos, nettoyeur d'eau et tout ça. Bon bah les éléphants, à la fois là, ils vont bien. Alors vérifions les plantes et tout le tralala. Ils sont bons. Et au niveau du terrain, ça ne va pas du tout. Alors, il leur faut plus d'herbes courtes et moins d'herbes longues. Ah, bonjour Bobo, bien évidemment, il faut toujours que Bobo passe dans le coin. Alors, rapprochons-nous. Je crois que c'est déjà de l'herbe courte, non? Ouais, hein, ça n'a pas l'air de bouger, mon histoire. La la la. La la la. Mais où c'est que vous voyez que vous avez encore de l'herbe longue, vous? Ça me semble très court, hein, tout ça. Je sais pas si on peut mettre plusieurs mâles. Normalement, c'est les femelles qui commandent, donc je suppose qu'on peut mettre plusieurs mâles, mais normalement, elles gardent pas... Oh merde! On peut pas mettre de verre aux éléphants? Je peux le... Oh merde! Youpi! Regardez, il y a un éléphant! Oh le saligo! Ouais, bah j'ai des sous, je m'en fous. Hein. Ok! Ouais, d'accord! On met pas de verre aux éléphants. Je vois. Du coup, répare... pause. Oh merde! Oui, non, mais quelque part, c'est assez logique. Donc, on va reprendre ça. Et on va... attends. Ça, on supprime. Supprime, supprime. Ça, supprime. Supprime, 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 supprime. On va refaire au propre. Je suis pas sûre de ce que je suis en train de foutre. On sent que je m'y attendais pas et que je suis un peu perdue. Alors attendez. On va reprendre là tout le vert qu'il y a par là. On va pas supprimer tout. On va mettre du... Oh la loose. On va le récupérer. Et on va le mettre en brique. Mais du coup, est-ce que c'est assez costaud ce que j'ai mis de base? Je sais pas. Parce qu'à la base, il y a ça. Résistance 6. Résistance 5, résistance 5, résistance 2. Bah non, ça c'est mieux. Hein. Donc on remet tout en comme ça. Les visiteurs, ils vont pas être contents parce qu'ils vont rien voir. Et ça, c'est quoi? Résistance 2, résistance 2, résistance 2, résistance 6. Niveau de résistance 6, si alimenté en électricité 1, sinon alimenté semi-transparent, ne peut pas être escaladé si alimenté. On va tester ça pour que les gens arrivent quand même à voir à travers. Et on va refaire... Ouais, en fait, j'aurais pas dû tout enlever, mais c'est pas grave. On va refaire. Donc, on se remet là. Et on refait. Hein, voilà, voilà, voilà. Oh, la loose!
Quelle vilaine bête! La porte était par là. J'espère que ça valait pour la remettre. Je vois pas trop ce que je fais. Hop, on suit bien le chemin. Là, on évite les chiottes. Hop. Hop. Et hop là. Ah, il y a encore du verre ici. Oh, la loose. Je m'y attendais tellement pas. Parce que j'avais augmenté la hauteur en me disant, bon, c'est quand même des éléphants, bon. Oui, d'accord. Alors, on va essayer de le mettre une partie électrique, toute la partie où les gens peuvent voir. Et on va essayer de remettre la porte aussi. Ça peut servir, une petite porte tout nette de service. Ouais, super. Et on va essayer, donc à partir de... Bon, là, il y a l'arbre qui gêne un peu, mais à partir de là... Ça... ouais. Ok, tout ça, bah tout le tour quoi, tout le tour que les gens voient. Puisqu'après je vais fermer et remettre pour le personnel. Là je pense qu'on est pas mal. On va mettre en électrique. Donc celui-là. Est-ce que c'est alimenté? Parce que sinon c'est 1 la résistance. Hein. Comment on sait si c'est alimenté en électricité? Ah je pense que c'est bon. Non, ok. À la couleur, non. Est-ce que ça a l'air d'être alimenté? Je sais pas. Comment on sait si c'est alimenté? En remettant l'éléphant dedans? Ah, d'accord. les clôtures sont en bon état. Oui, certes. Mais, bah écoutez, on va tester. Parce que là, comme ça, on va... Où c'est qu'on a un truc électrique? On doit bien avoir un truc électrique, c'est celui-là, hein, je crois. Ouais. Fais-moi voir ta zone. Comment on voit sa zone? Non, c'est pas ça. Ah, mais plutôt... Attendez, on va faire un truc simple. On va le déplacer. Voilà. Si je cherche à le remettre... Ouais. Ouais, d'accord, ok. Alors, attendez, on va le remettre... voilà. Et du coup, on va remettre un... Bon, effectivement, on voulait refaire une zone personnelle ici. On va faire ça, une petite zone pour le personnel ici. Donc, avec une petite allée du personnel. Hop. Une petite allée là. Ouais, bah, t'aurais pu mettre plus, mais c'est pas... Comme ça, on va se remettre un truc électrique. Bah au bout, du coup. En fait, c'était pas si mal, mon histoire. Oh, c'est une petite zone, comme ça. Un petit rond. Un petit rond carré. Un petit rond avec des angles. Ah, c'est moche. Je sais pas du tout ce que je suis en train de foutre. Et du coup, il nous refaut, parce que je suis pas sûre que là, ça soit bon. Il nous faut... on va mettre une éolienne. Comme ça, on a une grande zone. Pas du tout. Oh là là, c'est pas assez. C'est pas assez, mais l'autre il nous prenait le début. Faut en mettre un par là aussi. On va tester, hein, on va remettre l'éléphant, on a des sous, hein, s'il s'échappe. Tu peux te crocher? Voilà, on va en mettre un pour... bah, c'est un traitement de l'eau que j'ai fait. Ah bah oui, bah voilà. C'est ça que la zone n'était pas grande. Ah voilà. C'est lui qu'il nous faut. Du coup, attendez, mais je fais n'importe quoi. Du coup, toi, t'as pas besoin parce qu'il n'y a pas d'eau où t'es, hein? Je fais n'importe quoi. Voilà. Là, ça me paraît pas trop mal. Peux-tu te raccorder, mon coco? Voilà, là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Et que ça doit être électrifié. Comme ça, les gens... Bah pourquoi c'est à nouveau du béton? Parce que j'ai fait un retour arrière, j'ai trop fait retour arrière, elle a pas compris ce que je voulais. Oui d'accord, pas de problème. On la refait. Et du coup je mets une cabane de soigneur, vu la place, on peut se remettre une grande.
une grande de soigneurs là. Et on va leur mettre une petite salle de repos parce que sinon, ils sont fatigués, les pauvres monsieur. Et du coup, c'est pour ça qu'ils bossent pas. Enfin, il paraît. Moi, je trouve que c'est un peu une excuse. Voilà, ils ont à nouveau une zone du personnel ici. Ils sont pas mal. Là, je pense qu'on a de l'électricité. On se remet sur un éléphant pour reprendre ça. Et Bobo gueule et dans sa litière. Merci, Bobo. Et donc, du coup, il gueule pour nous dire qu'il a bien... Voilà, qu'il a bien été à sa litière. Il en est extrêmement fier. Donc, si vous l'entendez miauler, c'est parce qu'il dit... Ah, j'étais bien. J'étais bien fait. Voilà, hein, un truc comme ça. On l'entend gratter. Bobo, t'abuses. Bon, puis on va tester. On va remettre nos téléphones dedans. Et on va voir s'il recommence. Hein? Ce sont là, c'est moche aussi, là, les grandes herbes. Je trouve pas, pas jolies, les grandes herbes. Je trouve pas bien faites. Et il trouve qu'il y en a encore trop. En fait, il trouve que je diminue pas les longues herbes. Tu abuses? Oh, quoi, il y en a dans l'eau aussi? Ça bouge pas. Ça ne bouge pas. Attends. On y va. Allez. Enlevons ces grandes herbes. Oh là là, mais comment ça bouge pas, quoi? Quoi, là-dedans, peut-être aussi? Ouais, on a réussi! Ah bah maintenant, il y a trop d'herbes longues. Attendez, je vais rajouter de la terre. Donc la terre, on va la mettre autour de l'eau. Ça me paraît, ma foi, assez logique. Ouais, mollo quand même. Donc là, on met un peu de terre. Voilà. Là. Là. Voilà, toute là, des zones de terre. Allez, encore. Bah, bon, tout ça, alors. Tout ça, c'est une zone de terre. Ouais, pas de problème. Je vous fais ça. Zone de terre dans l'eau. Toujours pas. Plus, par là, jusqu'à l'abri. Un petit chemin de terre jusqu'à l'abri, comme ça. Ouais, ça c'est mieux. Voilà, autour de l'abri. Autour de la cachette, peut-être aussi. Ça peut être sympa d'en mettre là. Voilà, c'est peut-être un peu plus logique. Ouais, j'en ai mis dessus, c'est joli. Laisse la bourrine. On est bien là. Ah, on est dans le vert. Les plantes, il y en a assez. Et le petit... Et je vous ai mis plein de jouets. Ouais. Du coup, on va libérer copain. Hein. Ah merde, qu'est bourrin. On va libérer monsieur. Et on va voir... on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce qui se passe. Animal malade, animal malade. Ah merde, mes femelles, elles sont malades. De la tularémie. Bon, bah les vétos sont sur le coup. Eh ben, avec les éléphants, on est en galère. Hein. Mais avec les éléphants, je nous sens un peu en galère, là. Non, mais on va en mettre d'autres, hein, tant qu'à faire. Blatt, rhinocéros, attendez, petit, sans blague. Bon. D'aigle soigneur derrière, là, avec son balai. Il a pas peur le soigneur. Qui m'a... Vous m'avez pas mis à manger par contre. Hein, vous avez tout ce qu'il faut juste à côté. Ni là-dedans d'ailleurs. Vous m'avez... Quoique, il y a peut-être eu là-dedans. Réinitialiser. Ah ouais, non, elle était déjà dessus. Alors, est-ce que c'est électrifié? Je n'ai aucune idée de si c'est électrifié. Ça devrait... C'est peut-être allumé si c'est électrifié, c'est ça? Est-ce allumé? J'ai l'impression. Il faudrait qu'il fasse nuit pour être sûr. J'ai l'impression... Attendez, est-ce que c'est allumé? Ça... Ouais, ça m'a l'air allumé. Là, les gens sont en train de se dire « Ah, mais le monde, que se passe-t-il ? » Ah, tu fais moi le malin, hein, mon copain. Ah, pardon. Tu fais moi le malin, hein. Eh. Ah bah, ça le fait chier, c'est le cas de le dire. Ah ouais, attends, on va faire une petite sauvegarde avant que le jeu crache. Parce que ça me ferait chier de refaire. Non, mais il fait moi le malin, là. Vas-y. Vas-y, passe. Hein? Allez, vas-y. Le pan a soif. Déplacer. Déplacer là. Ils ont pas d'eau. Ne dites pas que c'est pas vrai. Appelez les soigneurs dans l'habitat. Sinon, on va leur creuser un tout petit bassin. Parce qu'au moins, ils ont tout le temps de l'eau en faisant ça. Un tout petit trou. Oula. Un tout petit trou d'eau pour dire, là. Comme ça.
Ça creuse vraiment pas là par contre. Voilà, comme ça. Là, je pense que du coup, ils seront mieux. Si, voilà, si le soigneur galère, et ben au moins, ils ont de l'eau. Ils ont un petit bassin d'eau. Oh là, il y a des bébés partout! Mais où est-ce? Il y a des bébés partout! Ah ouais, mais il y en a plein dans les pattes des gens! Oh, quel bordel! Quoi d'autre? Qu'est-ce qui se passe d'autre? L'animal a soif, ça s'est fait bien d'être faible. L'animal a faim. Oh, j'en ai marre de ça. J'en ai marre. Alors, l'eau, c'est bon. L'animal a faim. Mais oui, c'est tout dégueulasse. Soigneur en route. Bah, mange là. L'animal a faim. Bah, écoute, tu viens ici. Parce que ça, c'est à manger. Hein. Voilà, super, merci. L'animal a faim, l'animal a faim. Oh là là. J'en ai marre des animaux qui ont faim. Mais effectivement, quoi. Et eux, ils ont la cabane de service qui est tout est là. Hein. La salle de pause et la cabane de service, tout est ici, les gars. La salle de pause, elle est là. Effectivement, il doit être 50 dedans, les gars. Et la salle de nourrissage, elle est là. Hein. Alors, ils vont pas dire qu'ils sont loin, les soigneurs. Hein. Franchement, c'est abusé. Oh mon Dieu, que se passe-t-il? Oh, animal affamé. Oh merde. Mais pourquoi il mange pas ce truc là? Mais je sais pas moi comment le déplacer. Il faudrait le foutre dans une caisse en fait. Mais qu'il reste en caisse. Non, puis c'est une bonne femelle en plus. Ouais, ils ont faim les flamants roses. Non mais sérieux les gars, il y a combien de soigneurs? Sérieusement, il y a combien de soigneurs? Il y en a trois en pause. Mais lui aussi il est en pause. Il y en a deux fatigués, un en pause. On va en remettre, hein. Enfin, sérieusement. On s'en fout qu'il y ait 50 soigneurs. Hein. Sérieux, vous bossez les gars, parce que là vous me rendez chèvre. Hein. S'il meurt de faim, ça va mal aller. Hein. Donc ils mangent pas là-dedans, qui est une optimisation qui leur convenait. Et là qui est tout pourri, je peux pas le faire moi-même comme les Sims quand ils sont trop cons, on vide nous-mêmes à la poubelle. D'accord. On est bien d'accord que les soigneurs n'ont pas de zone de travail. Non. Donc ils sont censés bosser. Oh, ça va pas le faire. Bien d'être faible. Ça c'est parce qu'ils sont trop nombreux. Plusieurs problèmes. Ça, c'est les vivariums, c'est la surpopulation, ça, non? Ouais, ça, c'est les... Ah oui! Ah oui, on a une petite surpopulation chez les serpents. Légère. Et là, bah, c'est les flamants roses qui sont en train de mourir de faim. Ah, attendez. C'est pas parce qu'ils sont coincés là. Oh, mais qu'ils sont... Et sérieux. Sérieux, les gars. Vous êtes la honte incarnée. Oh, vous êtes tellement la honte. Mais pourquoi vous voulez pas... Pourquoi vous voulez pas vous rattacher à cette allée? Ce jeu, des fois, il faut... hein? Attendez. On va supprimer ça, on en remettra un après. Non mais sérieusement, quoi? Et donc on va remettre un truc pour la flotte. Ou service utilitaire. Là on avait le truc pour l'eau, pour eux. Ok, et il n'y a pas besoin d'électricité par ici, c'est bon? On est bon ou pas? Ouais, on a l'éolienne là. Ça devrait aller. Et ok, donc c'est pour ça qu'ils étaient en train de mourir de faim, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à passer? Oh les débiles! Les débiles! Mais on peut pas la... Non mais les gars, vous êtes tellement débilos! Dépêchez-vous avant qu'il meure de faim! Oh purée! Ah bah bravo! Oh merde! Oh non!
Oh là là. Oh mais sérieux, mais c'est horrible. Ils étaient tellement beaux, mes flamants roses. Bon, est-ce qu'ils vont voir que je leur ai remis une route? Ils sont cons, eux, ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais en fait, ils savent pas faire... Pourquoi ils font pas le tour? Mais vous pouvez passer, là, les gens. Pourquoi vous faites pas le tour? C'est toujours les flamants roses, hein, je suppose. Mais... Bonjour, monsieur. Mais pourquoi ils passent pas, les gens? Eh, bande de connards. Mais bande d'abrutis. Mais votre mère, elle vous a pas appris à passer un chemin? Je n'ai nulle part où aller. Ils sont complètement teubés. Ok, ils sont teubés. Je n'ai nulle part où aller. Mais vous avez juste à marcher! Qu'est-ce qui va pas dans votre tête? Mais... Si le panneau des flamants roses, je le mets... Alors, il faut arriver à prendre l'ensemble. Ça va pas être possible. Bon, il saoule. Si je vous le mets par là, vous êtes obligé de venir vous informer par ici. Si, service, service. Je trouve jamais aussi là. Si je vous le mets là, lui, ça ne gourant pas de sens. Vous êtes bien obligé de venir voir l'info ici. Ah, ah. Et si je leur mets... non, ça ne va pas. T'es pas au bon endroit, toi. Tu vas me les stresser, mes cons. Ouais, là. T'es un peu collé à l'autre, mais c'est pas grave. Ok, parce que ça a l'air de les stresser, hein. Il y a plein de petites choses qui a l'air de les stresser. Non, mais sérieusement. Donc là, ils ont le panneau d'info. Mais ils se coincent toujours ici. Ok, les soigneurs ont remis à manger. Ça, c'est bon. Au moins ils peuvent passer, ils peuvent éviter la foule en passant là. Et donc la foule de débilos, comment on s'en débarrasse? Mais pourquoi et pourquoi? Alors là je comprends pas le problème. Qu'est-ce que, avec quoi je peux les attirer? Parce que là je vois pas où il est leur problème. Parce que je peux même pas ajouter d'aller. Enfin. Je capte pas leurs problèmes, là. Je capte pas le problème. Oh, je capte pas le problème. Alors là. Quoi, faut que je mette plus d'aller... dès que je fais ça... Ah, mais du coup, ils vont par là, mais ils ont pas le droit d'aller par là. Ou alors il faut que je leur permette... Bah non. Tout ça c'est pour mon personnel quoi. Ils vont pas se balader parmi les trucs du personnel, ça le fait moyen. Bah je sais pas, je sais pas, je sais pas comment gérer. En tout cas le personnel maintenant il peut passer. Ah oui d'accord, c'est déjà vite quoi. Bah vous pouvez en remettre hein. Bon les éléphants ont plus l'air de se barrer, on va en racheter parce que maintenant c'était l'épisode sur les éléphants, pas sur comment débloquer une bande de connards. En m'excusant du mot, en m'excusant du peu, hein, j'ai perdu un flamant rose dans l'histoire. Ah bah, ah bah Guillaume qui est drôlement gay ça. Ah bah ça c'est drôlement chouette de pouvoir nager. Eh, je vous ai fait un beau bassin. Ah, je vous ai fait un beau bassin, hein. Elle est pas gentille la dame de vous avoir fait un beau bassin comme ça. Bah du coup on va remettre des éléphants vu que... Donc, il faudra refaire le même type d'enclos, bah là, du coup, l'immense zone là, on va refaire un immense, immense, du coup, encore plus grand que celui-là. Et on pourra également s'amuser à le faire passer au-dessus. Et où là, on va mettre bah, les éléphants, les zèbres et tout ça. Ici, je vais toujours mettre les pandas.
Et après, on a encore tellement d'animaux à mettre. On va vite fait acheter de nouveaux éléphants. Avant d'aller voir qu'est-ce qui se passe encore. Oh, par contre, les ponts à un moment donné. Il n'y a pas d'éléphants? Ah, animaux stockés, pardon. On a un bon mal là encore, quoique la longévité. Ouais, c'est un peu les mêmes que tout à l'heure, quoi. Bon, fertilité, ça c'est pas très grave. Bah écoutez, on va prendre un autre mâle, on va voir ce qui se passe. Je suis pas sûre que ce soit l'idée du siècle d'avoir deux mâles. Mais dans les non-idées du siècle, au point où on en est, hein, on va bien voir. On va voir s'ils se foutent sur la gueule ou pas. Ah oui, et du coup, ah oui, faut qu'on vende quelques reptiles. Parce que là, c'est l'invasion totale. Du coup, on va... Hop. On va en envoyer au centre d'échange. Hop. Nanana. Enfin, ça, par contre, c'est laborieux à faire. À moins qu'ils aient changé et que maintenant, on puisse... Attendez. Avant, on pouvait pas, mais est-ce que maintenant, on peut... Et les léons, par pitié, on peut essayer avec les blattes. Hop, hop. Est-ce que maintenant, on peut en prendre plein et les envoyer au centre d'échange? Yes! Ah, on pouvait pas pendant la bêta. Cool. Cool, cool, cool. Du coup, on va faire ça. On va enlever... Non, non, non. On va enlever encore quelques blattes. Parce qu'on va pas tarder à avoir un message dans les blattes. Voilà. Et les léons, s'il vous plaît, les léons, là. La même aux escargots. Voilà. Par contre, je pense qu'il faudra vendre un par un. Je ferai ça hors caméra. Ça doit être encore un peu laborieux. Les ponts, tout ça, on va attendre. Et elle, il y en avait la masse. On gardera le nom du couple de base, mais on va en enlever un. Hein. Celle-là, à la rigueur, on peut enlever un mâle, une femelle. Eux aussi. Allez, eux, on peut enlever un mâle. Ah, oh, on pouvait les relâcher dans la nature. Hein? Ah merde! Sans d'échange complet. Voilà. Bon bah c'est déjà pas mal. On est moins en surpopulation. Voilà. En tout cas, là, les... du coup, les gens, ils les voient bien. Hein, on en a des bêtes. Ok, ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Bon, à part glandulon. Mais... Je comprends pas. Il faut vraiment que je leur mette un truc ici. Hein. Il faut vraiment que je me... Je crois que je vais faire les pandas en priorité avant le gros enclos africain parce que... faut qu'ils aillent voir autre chose, quoi. Ils sont complètement... Oui ! Ils sont totalement crétins. Ils sont complètement à moitié, hein. Puis en fait, plus j'en enlève, plus il y en a. Combat sur le statut d'alpha. Ça, c'était sûr. Ça, c'était sûr qu'on allait avoir les éléphants. Oula, oula, oula. Mais du coup, c'est les mâles ou... Ouais, c'est les mâles. Ouais, non, ça va pas le faire de mal. Pourtant, le enclos, il est grand. Hein. Bon, s'il se blesse pas, on va tester quelques temps. S'il se blesse pas, ça ira. Mais... Ouais, c'est sûr. Mais l'enclos, normalement, il est assez grand, je pense, pour qu'il se sépare. Électrique. Ouais, 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 électrique. Tu te calmes tout de suite. Bon. Va pas faire chier l'autre, il s'est soumis. Va pas le faire chier. Mais il est énervé, lui. Oh, je sais pas. Bah, ça va être l'alpha, celui-là. Hein, vous pouvez lui donner un nom. Il va falloir qu'il se détende un petit peu, par contre. Ah, bah c'est dur de se coucher, la vache. Eh, tu te calmes. Mais il est pire qu'un T-Rex, le truc, quoi. Tu te détends, Maurice. Oh non. J'ai cru que c'était mort. Non, c'est malade. Oh bah, génial. Il t'a stressé, c'est pour ça. Bon, et là, il n'y a pas à manger. Vous n'allez pas me dire que c'est parce qu'il n'y a pas assez d'éléphants à nourrir. Hein?
On est bien d'accord que là, vous pouvez franchement nourrir les éléphants. Ce truc-là, il est rempli au moins? Oh là là, s'il meurt de faim. Si j'ai des soucis d'alimentation sur les éléphants. Oh merde. Il est mort? Non, il est vraiment juste pas bien. Il dort ou il est vraiment pas bien? La faim. Bah ouais, bah attendez. Écoute, ils viennent te soigner. Bon. Il y a des jouets et tout, si t'as besoin de te défouler, je t'ai mis ça. Je t'ai mis ça et je t'ai mis... Il y a une roue aussi là, ça. Donc tu viens de défouler puis tu te détends un petit peu des fesses, monsieur l'éléphant. Voilà. D'ailleurs, qui peut me remplir ça? Normalement, on peut mettre à manger aussi dedans. Grande mangeoire, rouleau fixe. Bref, nourrissez. Et là, les gars, les soigneurs, vous avez tout ce qu'il vous faut ici. Alors, vous n'allez pas me faire croire que c'est compliqué. Vous avez ce qu'il vous faut ici, vous avez ce qu'il vous faut ici. Un moment, tenez, les soigneurs, va falloir vous sortir les doigts du huc, hein. Bon. Je pense qu'à part ce problème d'engorgement débile-là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Je pense qu'on a trouvé quelques problèmes et qu'on n'est pas trop mal. Donc là, l'urgence, ça va être de faire les pandas géants là pour occuper les gens, pour que les gens bougent et fassent d'autres trajets, parce que du coup, je vais l'entourer, je vais refaire un passage comme ça. Donc ensuite, re-grande plaine africaine avec ça qui va remonter par-dessus. Et ensuite, on continuera parce qu'on a plein d'animaux à faire. C'est trop bien ce jeu, il est trop bien. Je vous fais des bonjours, je vous dis à bientôt. Bye bye tout le monde, bye. Time flies, close your eyes. Imagine you could see everybody else's dream. What a comfort it would be.